Alors, nous sommes heureux de nous retrouver tous ensemble en Avignon cette année pour les 10e rencontre du cinéma du Sud. Alors, nous sommes avec la famille Bizot qui, justement, cette année, c'est les 10 ans des rencontres, mais c'est les 100 ans du cinéma Le Vox. Donc, un cinéma familial qui date de 1900. Et oui, 100 ans de moins, on compte jusque-là. Donc, alors, je souhaite encore 100 ans à la famille qui suit, puisque vous allez nous expliquer un petit peu de... Voilà, la suite est là. Donc, Emmanuel est sur la gauche, Léonie. On ne va pas dire, vous êtes tous les enfants de la famille Bizot. On ne va pas dire qui est qui. Hein, voilà. Je ne me rappelle plus ton prénom. Marie. Et Jean-Paul. La petite qui est devenue grande. Alors, je vous ai tous connus plus jeunes. Et donc, ça date d'il y a pas mal de temps. Et moi, ce qui m'a plu depuis que je vous connais, c'est que vous avez une tradition de famille, c'est d'aimer le cinéma. Et vous êtes donné à fond pour cette structure, le Vox. C'est la passion. C'est passionnel. Vous êtes tous tombés dedans, petit. De lui, hein. Ah oui, c'est lui qui nous a donné le virus. Mais non, ah oui. Mais Avignon, le Vox, c'est la magie. Le cinéma. Donc, c'est une magie qui est là et qui va continuer, j'espère. Bah oui, encore 100 ans. Hein. Minimum. Bah oui. La suite, pas, nous, on espère vivre encore un petit peu. C'est la suite qui... Et les enfants des enfants qui vont venir, vous comptez leur laisser aussi le... Bah oui. Ma soeur a son grand garçon qui a 19 ans, bientôt. Et le mien, il n'y a que 12 ans. Oui. Donc, ça peut continuer. Nous, on est tournés vers l'avenir, en tout cas. De l'eau peut couler sous les ponts d'Avignon. Voilà aussi. C'est vrai. Alors, comment justement a été transmis dès le départ, ben Jean-Paul et Léonie, comment ça a été transmis cette passion? Vous aussi, vous veniez? Moi, je n'étais pas du tout dans le cinéma. Ah ben non, mais c'est vrai. Italienne, oui, c'est pas. Immigré, le cinéma interdit pour la famille italienne, parce que c'était un lieu de plaisir, alors que c'était très dur. J'ai connu le cinéma avec Jean-Paul. Voilà, et oui. Alors Jean-Paul, comment elle est venue cette passion? Moi je suis... Parce que j'ai toujours été là, moi. Et oui. Moi j'ai toujours existé ici. Non, parce que des fois, c'est vrai que c'est rare de voir des familles maintenant qui font perdurer des professions. Il faut s'approcher. Des dinosaures. On est des dinosaures. Ah oui, par rapport au gros multiplex. Même si des fois, vous avez des fois, c'est vrai, envie d'abandonner, il y a toujours quelque chose qui vous ramène encore devant. Un film qui marche très fort, les spectateurs qui te remercient à la sortie. Donc c'est la magie qui continue en permanence. Tu amènes des gâteaux. On nous demande nos nouvelles. Si quelqu'un est fatigué, ils sont perdus, les spectateurs. Alors, est-ce que, justement, le fait qu'Avignon soit un lieu de théâtre, ça vous a permis aussi, à une certaine période, de rebondir? Parce que maintenant, on voit aussi que vous avez une belle terrasse depuis quelques années. En même temps, en 1987, la terrasse et le théâtre. Et donc, les deux en même temps, qui nous permet d'avoir ce lieu fantastique. Ça vous a permis de rebondir? Oui. C'est un peu comme le film de Jean-Pierre Améris, Les Folies Fermières, justement, où les agriculteurs se recyclent en faiseurs de spectacles, de musicals. C'est ça. Donc il faut s'adapter, donc vous avez toujours vu s'adapter. Nous, on faisait du cinéma, au départ c'était un théâtre, après ça a été un cinéma, après on a transformé parce que c'était très difficile pour nous, la concurrence était énorme sur Avignon. Entre le Palace, le Capitole, le Rio, Paris, le Paris, tout ça. Il y avait 1800 dans le centre-ville. Les Utopiens, tout ça, c'est des... Nous, nous étions toujours seuls contre tous. Oui, hein. mais j'ai connu ça. Et puis c'était un lieu de rencontre, je ne sais pas, pour les rencontres de workshop. Oui, les gens ne décollaient pas de là. Parce que 21 ans, on les a fait. Déjà, Et maintenant, on espère que justement les rencontres du Sud. Ça, c'est pas nous qui décidons. Voilà, mais déjà cette année, vous êtes le lieu. Mais on sent que les gens le lieu phare. Ont découvert ce lieu fantastique. Ils sentent bien. Et oui. Tu le ressens. Et oui. Oui. Et puis vous connaissez tout le monde dans le milieu du cinéma maintenant. Et vous avez... Le Vox était connu dans le cinéma, maintenant le Vox est aussi connu dans le théâtre. Oui. La salle est connue. Bah oui. Ah non, mais c'est parfait. Donc la préparation du Festival d'Avignon de théâtre 2022 est prévue aussi déjà. Vous avez déjà la programmation. On n'a pas la programmation. L'installation. La programmation est faite. Ah, vous ne la connaissez pas encore? Non. D'accord. Alors, travailler en famille, est-ce que c'est toujours facile? Non, c'est pas toujours facile. Mais ça reste toujours en famille, donc ça ne va pas bien loin. Et oui.
Et, on s'engueule comme dans toutes les familles, et voilà, mais on s'aime. Ah, surtout avec une Italienne. Mais nous nous aimons. Voilà, c'est ça qui est important, je pense. Ben oui. Voilà. C'est une leçon de vie que vous pouvez donner aux gens. De rester soudés en famille, c'est ça l'essentiel avec, les, avec tout ce qu'on vient de vivre depuis 2 ans. Et on espère, comme je disais au président des rencontres, que les rencontres du Sud ne s'interrompent plus. Ça. Et les salles de cinéma aussi, les salles de spectacle, tout ça, nous espérons que... Nous sommes restés seuls, indépendants, sur la ville de Bordeaux. Il y a Utopia, mais il n'y a plus de cinéma comme nous. Est-ce que ça a été le Vox, le premier cinéma d'Avignon? Avignon, oui. Ah, 1902, oui. Ça a été le premier cinéma d'Avignon. Oui. Donc ça a été vraiment une arrivée bienvenue, disons. Parce que c'était 27, c'était une famille de cinéma, du côté de mon mari. Parce qu'il y avait des cinémas à l'Est, à la Rencombe. Ils avaient le Rex sur Avignon, à la place de la Chambre de commerce. Le Roxy. Ah oui, c'était des exploitants, quoi. Des exploitants de cinéma. Oui. Et eux, comment c'est venu? Ah ben, je ne sais rien. Ah. C'est le grand-père. Mon grand-père vendait des vélos. Et je me suis retrouvé dans le cinéma. J'aurais bien vu le savoir. Visionnaire. Ah, ouais. Il a changé de... complètement d'orientation. Ah ouais. Ben, c'est normal en vélo, hein. Il y a un moment, on ne peut plus pédaler. Hein. Voilà. C'est sûr. Oui, c'est aussi. C'est la question qui me manque. Ah oui. Ah oui. On a un projecteur. Il le faisait aussi. Mmh. Ah oui. Ah oui, il allait dans les communes autour de... Mais ils sont de Monteux, donc ils ont fait tous les petits villages autour. Mmh. Oui. Je sais pas. Donc, on peut dire que c'est une vie remplie que vous avez? Bah oui. Une vie de cinéma. Oui. Maintenant, il va falloir à nouveau remplir les cinémas. Et donc maintenant, nous, voilà, le Vox, ce reportage va servir aussi pour que ceux qui ne connaissent pas le Vox, eh bien, aussi viennent tout au long de l'année. Parce que la programmation, on peut dire que vous êtes en phase avec l'actualité, puisqu'il y a quand même des nouveautés chez vous. Là, je vois, cette semaine, il y a Maigret, il y a The Batman, voilà, il y a Mort sur le Nil. Donc vous êtes vraiment la pointe de l'actualité. Et en même temps, avec les atouts du centre-ville. Voilà. Mmh. L'utile et l'agréable. Mmh. Est-ce que vous avez... Vous faites des VO. Oui, par exemple, Batman, c'est VO, VF. C'est Mort sur le Nil aussi. Le film qui mérite la VO. Bon, après, il y a Sherazade aussi qui s'occupe également de ça, c'est la compagne d'Emmanuel. Donc, elle a repris aussi avec la suite, depuis 2018. Puisque nous, on a... Et votre concurrent, c'est le président de rencontre. Vous travaillez en partenariat, c'est ça qui est bien. Le président, c'est un ami. Voilà. De toute façon, dans le cinéma, c'est une grande famille. Donc, une fois qu'on a réussi à tous se... qui a le plaisir de nous attacher revoir, les maillots. Hein. Et oui. Non, mais en même temps, on a senti que cette année, là, tout le monde avait envie de venir et de se revoir. Donc, même s'il n'y a pas les conditions habituelles, s'il y a moins de salles, mais c'est pas grave. Ah, mais oui, restez les uns sur les autres. Voilà. Décolle pas d'ici. Il y avait besoin, le contact humain, voilà, de se retrouver. Et finalement, en 3 ans, on n'a pas changé tous, là. Non. Non, on n'a même pas dit. Voilà, donc le temps s'est arrêté et il reprend. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est longue vie, donc à la suite. Voilà, et que ça. J'ai la même envie, la même motivation et l'endurance. Voilà. De faire une programmation de qualité, culturelle, de rencontres, il y a des débats. Les gens me sollicitent pour beaucoup de choses. Vous les avez bien éduqués, les petits. Voilà. Pendant le confinement, les gens qui nous rencontraient, les spectateurs, nous disaient tenez bon. Ils avaient peur de voir le cinéma. Et oui. Ben, en tout cas, vous avez tenu bon et voilà. Et ça sera bon encore pendant beaucoup d'années. Tu verras. Bien sûr, quand je suis là, je viendrai aussi. Voilà. En tout cas, merci à toute la famille Bizo. Donc voilà, il n'y a pas de biseautage aujourd'hui. Donc voilà, merci beaucoup et puis longue vie à ce cinéma et à vous tous aussi. Au revoir.